Salut tout le monde. Donc petite vidéo, présentation d'un refroidisseur d'air de la marque AC Infinity. Donc c'est le modèle vraiment le plus gros qu'ils ont de la série Aircom. Donc c'est le T10. Voilà, c'est vraiment des refroidisseurs pour les amplis Marantz qui s'adaptent parfaitement sur le ampli. C'est quoi Onkyo TX, le modèle NR686, donc un modèle de 185 watts par canot. Et voilà, on a vraiment quelque chose de vraiment haut de gamme. Hein. Donc c'est vraiment un produit voilà, pour refroidir les amplis quand il fait trop chaud dans la pièce. Avec un écran digital ici, donc vous avez plein de paramètres. Il y a même un paramètre détection d'alarme s'il fait trop chaud. Le refroidisseur s'enclenche. Il n'y a rien à faire, il y a juste à le brancher au secteur, le poser sur son ampli et régler les réglages qu'on veut. Donc on n'a plus le carton, mais je voulais vous le montrer. Voilà, avec ici une sortie d'air, pareil de l'autre côté. On a trois gros ventilateurs en dessous, hein, c'est ça. Et en fin de compte, ça récupère l'air chaud de l'ampli et ça le redégage par les côtés à l'avant, ici, hop. En frontal, et l'ampli reste frais même s'il fait très chaud dans la pièce et même si vous regardez plusieurs films d'affilée. Donc là on voit qu'il fait 23 degrés dans la pièce. Là c'est parce qu'on a fait des tests, donc l'ampli devait dégager de la chaleur à 30 degrés et on a enclenché voilà l'alarme. Si l'ampli arrive à 50 degrés en termes de chaleur, le refroidisseur sonne et nous dit en gros faut peut-être arrêter le matos pour éviter que les composants se mettent à griller. Donc voilà, c'est un modèle que vous pouvez trouver sur Amazon aux alentours de... T'as payé ça combien 230, je crois qu'il est peut-être remonté maintenant. Il est hein. Remonté, il est à 270. Ouais, voilà, 270 €. Donc c'est le plus gros modèle de refroidisseur d'air qu'on pose à même l'ampli. Donc moi j'en ai un qui est beaucoup plus petit. Donc c'est l'un des plus petits modèles, ça doit être le S7. Il fonctionne très bien. Après, il y a beaucoup moins de fonctionnalités. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très haut de gamme, ce genre de produit. Donc voilà. Salut à tous! Used to spend my nights out in Barbara.